Très bien, de quoi j'ai besoin? Oh, Jake est tellement mignon! Il me plaît tellement! J'ai hâte de me marier un jour! Je sais que nous serons très heureux! Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle est bizarre, sans aucun doute! Oh, Jake est si mignon! Il me plaît tellement! J'ai hâte de me marier un jour! Je sais que nous serons si heureux ensemble! Attends, qu'est-ce qu'elle fait ici? Wow, wow, wow! Arrêtez de vous battre! Il n'y a qu'une seule solution pour ce problème! Oh, je vais carrément gagner ce truc! Ce sera génial! Ok, où vont aller ensemble? Oh, c'est un steak! Pas mon préféré pour être honnête! Et voilà! Cuisine-moi ça, s'il te plaît! Oh oui, un beau morceau de viande! Nous allons l'attendrir pour qu'elle soit magnifique! Et maintenant, nous allons utiliser le gaufrier! C'est ça! Même si nous ne faisions pas de gaufres! On va laisser le temps à cet ustensile de cuire le steak! Tu sens cet arôme délicieux? Ce steak va être absolument succulent! Hourra! J'ai fini de cuire mon steak! Eh bien, je suppose que je ferais mieux de le garnir! Nous y voilà! C'est magnifique! Je suis une cuisinière hors pair! Ok, bien, j'imagine que je peux essayer ça aussi! C'est quoi ça? Regarde, je crois qu'il pleut des steaks! Oh, nous pouvons tout à fait cuisiner ce steak pour toi! Je vais juste mettre ce steak sur un pieu! Je crois que c'est prêt! Aïe! Oh, aïe! C'est chaud! Oh, je suppose que mon steak est cuit! Regarde ça! C'est comme un morceau de charbon! Les steaks ont disparu! Ouf! Celui-là a l'air dur! Je veux celui-là! Je vais juste en couper un bout pour goûter rapidement! Ce steak est absolument délicieux! Je l'ai fait juste pour toi, mon petit chou! Oh! Je suppose que je dois essayer celui-là maintenant! Oh! Ça sent mauvais! Je n'ai même pas envie de goûter! Je suis tellement gênée! Tu devrais! Je veux y aller en premier! Waouh! Quel délicieux poulet rôti! Waouh! Oh! Désolée! Eh bien, je suppose que je vais ouvrir le mien alors! Hein? J'ai eu un œuf? Pchouh! Bonne chance avec ça! En revanche, je sais ce que je vais faire! Utiliser cette brique d'or! En fait, j'en aurais besoin de deux! Et maintenant, de la poussière d'or râpée! Oui! J'ai un poulet doré maintenant! Ça a l'air génial! Bonne chance pour faire mieux que moi ici! Je dois faire quoi avec cet œuf? Oh, je sais! Je vais avoir besoin d'une bougie! Je vais remettre l'œuf dans le support! Très bien! Maintenant, je dois juste allumer cette bougie! En voie! Mon allumette a déjà été utilisée! Ah, ok, bien! Je peux t'aider avec ça! Je ne vais nulle part sans mon briquet plaqué or! Waouh! C'est tellement beau! Merci! Je vais juste allumer ma bougie maintenant! Parfait! C'est ce dont j'avais besoin! Maintenant, je vais juste utiliser ces pinces avec mon œuf! Et ensuite, je tiendrai l'œuf au-dessus de la flamme! Burk! Qu'est-ce que tu fais avec cet œuf? C'est vraiment dégoûtant! C'est tout noir! Fini avec la flamme! Et maintenant, il va dans le verre! Oh! Regarde! Ça brille! Waouh! Il est devenu argenté! Comment tu as fait ça? Eh bien, peu importe! Tu n'aurais pas pu le faire sans moi! Oh! Ils sont partis avec Jake! Intéressant! Je suppose que je vais commencer par le poulet d'or! Eh bien, il a l'air vraiment super tendre! C'est super! J'aime un bon poulet rôti! Ouais! Il adore! Je suis un génie! Très bien! Il est temps d'essayer cet œuf argenté! Il a l'air plutôt chouette! Je suis impatient! Je vais devoir le casser plus fort, je suppose! Burk! C'est encore cru à l'intérieur! Ce n'est pas cuit du tout! Oh! Cela n'a pas marché du tout! Je raffole de ma bague! Arrête de te la jouer et ouvre ta cloche! Ah! Il n'y a rien là-dessous! Bonne chance pour cuisiner ça! Oh! Regarde! Une pizza est arrivée! Qui se marre maintenant?
Laisse-moi juste ouvrir cette boîte. Oh, c'est une pizza entière au pepperoni. Oh mon Dieu, j'espère avoir une pizza aussi. Ha! Regarde ce que tu as! Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'une loupe pour le voir. Un petit fromage, une minuscule croûte à pizza et de minuscules pepperoni. Oh, je ne peux pas le croire. Profite bien de ta petite pizza. Maintenant, si ça ne te dérange pas, je vais m'occuper de ma pizza. Je vais juste ouvrir mon petit coffre à bijoux. Je vais commencer par mes chaînes en or. Je vais les mettre sur la pizza comme ça. Super, c'est déjà très beau. Je vais ajouter quelques pierres précieuses et des bijoux aussi parce qu'ils sont jolis. Et maintenant, la pièce de résistance, cette énorme émeraude. Elle a sa place en plein milieu, bien sûr. Waouh, c'est beaucoup de bijoux. Eh bien, je suppose que je ferais mieux d'utiliser ces pinces et de commencer la mienne. Ok, voici la petite croûte de pizza. Je vais ajouter ces petits pepperonis sur la croûte. Je pense que je peux les mettre tous les trois sur la croûte. Et voici mon petit fromage bébé. Heureusement que j'ai ma petite râpe à fromage avec moi. Il est temps de râper ce fromage. Ce bébé fromage va faire l'affaire sur une pizza bébé. Et il en reste un peu pour moi aussi. Voyons voir. Est-ce que le soleil va sortir? Ouais, il est là! Si chaleureux et lumineux! Il est temps de ramener ma loupe. Le soleil avec la loupe fera fondre le fromage. Regarde ce fromage qui boue! Si crémeux et délicieux! Eh bien, peu importe. C'est toujours une petite pizza. Je n'ai pas fini. J'ai aussi cette petite boîte à pizza. Je vais juste mettre ma pizza dans la boîte et la refermer. Les voilà. C'est à Jake d'en juger. Très bien. On dirait que c'est l'heure de la pizza. Je vais commencer par la plus grande. Il y a des bijoux là-dessus. Je vais juste jeter ça. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mangé une chaîne en or entière. Ça continue à sortir. Oh, cette pizza est un désastre. Oh non, il n'a pas aimé. Ok, c'est l'heure de cette petite boîte à pizza. Je veux dire, elle est petite. Eh bien, autant la mettre dans ma bouche. Waouh, cette petite pizza est absolument délicieuse. Ouais, petite mais puissante. Petite mais puissante. Ok, ouvrons cela ensemble. Oh, une pile d'argent et de pièces d'or. J'aime l'argent. Ah, ça sent tellement bon. J'ai des fruits confits, je suppose. Ah, eh bien, amuse-toi bien avec. Je vais utiliser mon argent maintenant. Oh, un gâteau entier. Joli. Que devrais-je faire? Oh, je sais. Laisse-moi voir combien d'argent j'ai. Excuse-moi, est-ce que ça peut me payer quelque chose? Voilà, tu en as plus besoin que moi, je pense. Il pense que tu es trop pauvre pour acheter quelque chose. Tiens, prends ça. Très bien, il est temps de commencer à décorer ce gâteau. Je vais commencer avec mon argent. Je vais commencer par étaler l'argent. Waouh, regarde tout cet argent! Et maintenant, une pile de pièces d'or. Oh, j'ai une pièce en plus! Et je n'en ai pas besoin. Et maintenant, le dernier billet. Nous y voilà. Et mon gâteau est officiellement décoré et terminé. Eh bien, j'ai ce morceau de pain grillé. Comme si ce toast pouvait rivaliser avec mon gâteau. Eh bien, nous verrons. J'ai ces fruits confits. Et ils sentent vraiment, vraiment bon aussi. Ok, je vais prendre ce couteau et commencer à l'étaler sur les toasts. Je vais m'assurer que c'est bien propre et soigné. Voilà, c'est un bon morceau de pain grillé, si je puis dire. T'es sérieuse, là? Pas moyen que ça gagne. C'est quoi ça? Ok, je pense que c'est un gâteau plutôt sympa. Je vais prendre une bouchée. Dégueu! Je ne veux pas manger du papier! Non! Enlève ça de ma vue! Mais tout le monde aime l'argent! Vraiment? Un morceau de pain grillé, c'est ce que tu me proposes? Eh bien, je suppose que je vais juste essayer et voir! Waouh, je suis surpris. C'est un très bon morceau de pain grillé. Quoi? C'est pas juste. Lesquels de ces aliments aimerais-tu essayer si tu étais Jake? Dis-le nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci.